Après, ils ont fini de débarquer dans l'aéroport international tous l'ouverture. À bord des véhicules blindés, ils ont pris direction ambassade américaine Port-au-Prince. Officiers kenyans viennent réaliser une mission reconnaissance 3 jours en Haïti. Ils ont évalué la situation sécuritaire suite à la proposition pays Kenya qui souhaitait diriger une force multinationale pour venir aider la police nationale d'Haïti dans le cadre de la lutte contre la violence gang armée, si toutefois le Conseil de sécurité des Nations Unies est d'accord. Vendredi 18 août 2023, responsable de la Nations Unies dénonçait sa relève extrême brutalité population haïtienne a subi en bas de gang, côté plusieurs milliers de personnes obligées de courir quitter Kayo dans différents quartiers. En termes de réaction, professeur Camille Chalmers, qui c'est leader racine camp peuple, dit qu'il était très pessimiste puisque ce n'est pas force étrangère qui vient résoudre le problème de gangstérisation en Haïti. Solution, ce n'est pas une solution de court terme. Premièrement, il n'y a pas un problème exclusivement militaire et policier. C'est un problème qui est d'abord politique. C'est un problème qui est d'abord déterminé par qui mode de gestion qui a fait de l'État, qui politique de sécurité qui est dans le pays. Et ça qui est grave là, c'est que je dis, nous voyons que gangs, c'est des instruments qui sont utilisés dans le cadre d'un projet politique pour conforter le pouvoir extrême droite fasciste là, qui prend le pays en otage depuis 2010 et qui entraîne un processus de gangstérisation de l'État et de gangstérisation du système politique là. Donc, premier ça qui vous faites, c'est justement un redressement au niveau de gestion politique paysan et en particulier couper tout lien qui gagne entre gangs avec responsable l'État. Sorti 1er janvier pour arriver mi-temps mois août 2023, plus passé 2400 personnes mourir en bas balle bandit, 950 enlevés et 902 l'autre blessés, selon Ravina Chamdasani, qui est porte-parole au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits. Avec seulement environ 10 000 policiers pour plus passer 11 millions d'habitants dans la nation Caraïbe, la police haïtienne pas en mesure de réprimer la violence gangue qui contrôlait à peu près 80% de la capitale Port-au-Prince d'après spécialistes. Wenan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Côté quand c'est monde qui m'a dépassé une centaine et l'autre grand projet c'est ça domine l'actualité encore si m'ta et garder pour nous et dans pays d'Haïti et bien et monsieur grand ami continue à assumer la terre toujours et il y a encore monsieur attaqué une machine police qui t'a sorti dans une zone Gonaïve et bien là entre machine police en bas coup de zame. Et les policiers ont sauvé, et ont jeté même trois fusils qui étaient dans la main, Galil qui était dans la jeté. Et bien, monsieur, mettez du feu dans la machine, mais nouvelle pas dit si c'était blessé, bon côté policier. Bon, le sergent nouvelle dit que monsieur Boulet, il y a une machine, et puis qu'on y a monsieur, continue à opérer quand même dans la zone, surtout dans la base de Tibonita. Dans l'autre grand point qui s'est dominé l'actualité à toujours, c'est surtout et M. Negameo qui continue à opérer dans la zone de Cafoufeuille. Côté M. continue à pousser de la population à la caille, il est entré à la caille, violé les gens, boulé sa rejoindre, kidnappé les gens, etc. Entre temps, la police et a fait effort pour s'il était capable, dans qui mesure capable, pour être capable de contrecarrer et Negameo. Et puis, dossier Nations Unies, nous connaissons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même soumet un rapport par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient pour lui garder. Et parmi les recommandations, il souhaite pour gagner une force robuste qui pourrait aller en Haïti, aller des polices nationales là. Et le secrétaire d'État américain, Antonio Blinken, salue l'effort que Kenya a fait, ou bien décision que Kenya a fait, prend pour lui et prend tête une force
multinational qui pour aller des présences nationales là. Donc, il y a demandé pour l'autre pays dans la région, à part déjà Jamaïque avec les Bahamas, qui confirme la participation. Le secrétaire d'État a demandé pour que l'autre pays t'a apporté, coller tout pour t'aider. Et puis, monsieur Barbecue, allez à Chérisé, et monsieur rencontré la presse hier, à côté de monsieur Didi même. Pour ça concerne les forces multinationales là, il n'y a pas un problème du tout. Si monsieur Vifon Barbecue positif dans le pays, il a supporté, il a battu bravo pour eux. Et si vous venez, c'est venu combattre à faire gang, non, la bat bravo pour yo. Mais si vous venez, vous connaissez que si attaqué, après venir attaquer et attaquer yo, ou bien attaquer la population, ou bien violer la population, eh bien, il dit même les disciples, qui prennent tête et prennent tête, ils ont cabouillé pour que les batailles avec force étrangère. En fait, c'est pour une fois tout que Jimmy Chérisé prend la rue depuis quelques temps que mon patron, monsieur, ben, monsieur rencontre la presse. Quand monsieur fait déclaration concernant possibilité pour une force multinationale aller en Haïti, et c'était pas qu'on une date précise parce qu'il y a un pile bail qui pour faire, un pile analyse, un pile financement, un bail et appareil qui pour examen qui pour acheter, équipement, tout bail fort. Pour y aller. Et nous connaissons que dans le jour qui vient là, au Kenya, qui vous voyez une délégation en Haïti pour justement aller évaluer la situation et voir qui ça a besoin pour que vous capable d'aider dans l'opération qu'il y a à faire, qui était certainement avec objectif pour déboucher sur les élections et qui vient pour faire. Nous gagnons, eh bien, parce que c'est là nous y est. Et était censé non en plein petit boy ici, et ben nous avons invité spécial tout là. On va présenter nos camarades que nous t'es connu ouais. Et au Mexique, on monsieur tellement cher Bella, moi nous trouvons mes feuilles, on est fini. Nous trouvons mes feuilles hier là, qu'on y a là devant monsieur. Bon. On connaît nous connaît monsieur ça, bah ouais. Non, nous connaît monsieur ça. Et bien monsieur il est Ducasse. Mackenzie Ducasse. Monsieur c'était correspondant au Mexique. Et lui, nous avons monsieur dans Tijuana. D'abord, avant Tijuana, c'était Tabachula. Tabachula, monsieur est entré, monsieur est sur Tabachula, monsieur est descendu Tijuana. Et qu'on y a monsieur Washington, qu'on y a monsieur vient visiter, monsieur vient à nous visiter. Alors, dis-nous, du Kassak, mais non Washington. Bon, nous, là, on n'aime pas ce cas-là, parce que quand on est là, on n'a pas à Washington pour ne pas passer dans la voie d'Amérique. Bon, là, je fais une petite visite. Je suis là. Ok, donc, faut dire, on boit un café, non? Oui, yeah. Ah, monsieur, bon, monsieur, nous, bah, monsieur, un café, non? Un café spécial, mais, café ça, monsieur, pour un paquet d'envoi de Sibouel, parce que Godéat est tellement chaud. Donc, monsieur, pas café, il dit, ouais, un café. Mais quand même, c'est de façon pour nous souhaiter, monsieur, bienvenue. Monsieur, m'a dit, nous, bisuit, nous, dit, nous, pas un bisuit. Il m'a dit, nous, Kassav, nous, dit, monsieur, allô, cap, à la chez Kassav, là. Et puis, l'Elvin, encore, n'a pas l'autre café, avec. Donc, comment va yoye? Bon, tout bagan fort, nous connaissons là. Sauf que c'est à mon toujours plein. CBP, on a toujours difficile pour Haïtiens généralement. Parce que remarque, fait, blanc, yo, j'en ai des plus rapides que Haïtiens. On ne connaît pas si des systèmes non blancs qui manage que Haïtiens. Mais toujours on plein pour pas qu'à j'en ai des vous. Et puis là, aller dans mon qui j'en ai des vous, 75% c'est immigrants latinos qui viennent. Bon, en tout cas, Gerline Joseph qui était avec nous hier, et était avec nous dans le journal, dans le troisième mi-temps, et bien, il dit nous que selon ça, que lui-même, que l'autorité, et chiffre que l'autorité au Bali, okay. Il dit que Haïtiens sont censés mener dans le quartier de monde qui vient au rendez-vous. Ah, sur Haïti, c'est pas, c'est donc, ils sont bonnes nouvelles, Haïtiens sont censés abdominer, donc, sont bonnes nouvelles compatriotes. Nous avons dit que l'administration fait dans son programme là, ça oui, va bien longtemps, oui, oui, oui. Et son programme justement qui pour eux, le programme d'unification familiale, oui. Côté eux inclut Cuba avec Haïti oui, là-dedans, oui, oui. Mais il n'y a pas tout le monde qui est qualifié pour lui, il faut que tout le monde qui était déjà rempli de forme. I 130 ans pour vous et que le service militaire était déjà approuvé de Manouan et laisse ça au préal retendre une invitation et lorsque une invitation. Alors, monde qui fait une invitation, monde qui est rempli de forme, ils s'entendent dans le pouvoir. Qui différent de programme Biden, qui est différent de programme Biden, non, même monde qui est rempli de forme, ils s'entendent dans le pouvoir. Si t'es papa ou madame ou mari ou maman ou papa ou monde qui est rempli de pouvoir, mais petit toutou, et bien, monde ça a poursuivi l'invitation et laisse ça aller préal rempli de forme. I 134A, qui peut permettre de venir aux États-Unis oui, sous parole ou bien encore sous condition, c'est le programme ça, et le FAA ou capable. Et venir aux États-Unis, venir 30 même jamais. Yeah, il n'est pas programme 2 ans, Biden. Non. Il n'est pas de programme 2 ans. Biden, c'est I-134. I-134, yeah, c'est I-134A. Yeah. C'est I-130, yeah, qui yeah. C'est vous-même. Un proche, vraiment oui. proche, qui vous dit de remplir pour madame, Marie, ça va être catégorie A,
catégorie dans le programme d'immigration. Pas appliquer pour cousin. Non. Nièce pas appliquer. Non, pas faire bah comme ça. Alors, dis-nous non, qui est frontière? Bon, actuellement frontière toujours rempli parce que mon malgré tout programme qui gagne, mon toujours apprend route là, malheureusement parce que mon dit programme tellement prend temps puis de pipe puis au Mexique. Parce que si au Mexique, yo espéré on les États-Unis. Mais si y a tant, yo gen doit fermer sou yo, nous pas connait qui ça qui va passer. Mais haïtien yo, malgré ça, yo joine l'autre route pour passer pour yo ka aller Mexique. Objectif haïtien c'est arriver Mexique parce que Mexique là lui-même. C'est objectif là. Objectif là c'est sortir de Doha et puis arriver Mexique au moins leur Mexique tout peut fonctionner. Il y a quelqu'un qui yo applique dans programme parole humanitaire, ça le programme Biden là. Mais pendant y a tant, yo just vini Mexique plutôt yo depuis les jambes parce que il y a vidéo là parce que mon yo dit là yo entré sous frontière li pi bon pour yo pour qui ça parce que c'est un asile yo pa le faire yo pa gon limite yo gon devou code 2026-2027 ça pa le dépend mais l'autre sous comme Biden là c'est 2 ans par contre ça pa le passer après mon yo dit et puis de frontière vas-y frontière yo risque vie tout dans forêt d'rien malheureusement qui difficile en pile malgré tout ça gouvernement a fait pour déca combattre phénomène ça. Mon style toujours prend en forêt parce que je dis là, garantie. Vous connaissez force plutôt? Oui, alors, dernière nouvelle, le Baito et Panama est non bouche ouverte avec Colombie. Sous dossier ça, parce que Panama dit que Colombie n'a pas réduit le flot de monde qui vient traverser le forêt d'Ariane. Parce que lorsqu'il traverse, lorsqu'il est Nekokli, qui est en Colombie, ou traverser maintenant. Et traverser de l'eau d'abord, et pour traverser, pour tomber pour nous. Alors, fin traverser net maintenant, pour nous tomber Panama. Et Panama a dit le constater, on grand quantité de monde qui a vidé sous lui. Et l'Ibaron ça pour le faire, les États-Unis lui même poser d'autres conditions, lui même tout qu'on y a là pour le monde qui a venu demander, qui a venu sous frontière, il demande faut chercher protection d'abord quand on sort. Donc c'est des dossiers qui sont vraiment difficiles, mais quand même, qui a la vie à l'autre bois même actuellement. Bon. Parce que moi-même, les mal, je visite quand yo. Oui. Visite quand yo. Et bon, ça, moi, je me toujours partager avec les spectateurs. De montrer la situation difficile en pile pour immigrants. Bon, et comment les frontières? Les immigrants, généralement, ils n'ont pas décidé d'installer au Mexique. Ça ne me dit pas là. Donc, vous venez dans le pays. Ils sont en transit. Ça veut dire qu'il y a une opportunité, il y a un travail, ou il y a un mettre quelques jours de travail avant que vous ayez rendez-vous. Mais si toi, ici, au début, vous venez, l'objectif principal là, c'est les États-Unis. Vous préférez pas travailler et puis pour vous veiller rendez-vous, pour vous jouer un rendez-vous. Même si vous êtes installé, fait un petit combat attendant que tout va régler, vous êtes capable. Bon, mais ici, en Zoli, même Mexique là, il n'est pas venu pour l'été, il va installer, même l'anglais n'est pas apprendre. Peso a faible. Non, peso a très faible. Même si les dollars font baisser, parce que longtemps, un dollar est 20 pesos, qu'on est là, un dollar est 16,5 pesos. Okay. Et donc, on a 100 dollars même au Mexique là, on a 1650. Donc, même les monnaies au Mexique, ils ont besoin de support quand même, que ce soit assez beaucoup de familles. Non, famille est important parce que si vous n'avez pas de famille, c'est difficile en pile. Si vous pas de travail, vous obligez à aller en réfugié, conditions vraiment difficiles en réfugié, tellement de monde. Les réfugiés font pour 50 personnes, il y a 200, 300 personnes qui sont là-dedans. Vous pas dormir bien, pour bien, c'est ligne pour prendre. Situation chaotique, dans les réfugiés, malheureusement, caillou chèque. Ils ont augmenté les caillou ici. Depuis qu'ils sont venus, le caillou ici, il y a 2000 et 4000. Ils ont doublé. Ils ont doublé, ils ont dit 3500, ils ont monté. Mais là, en Venezuela, ils ont dit 2000, ils ont dit que ça n'a pas de cob. À Venezuela, même ça, vous faites tout, marche à prendre 4 000, ils ont dit qu'ils ont besoin d'aide de ces immigrants. Il y a des sommes migrantes pour qu'ils aident. D'accord. Ça veut dire que c'est une situation difficile en pile pour les immigrants. Parce que les immigrants, les États-Unis, c'est les priorités. Okay. Il dit quel que soit la tension, il faut rentrer aux États-Unis, quel que soit le moyen, il faut rentrer. En tout cas, il y a plusieurs programmes qui mettent sous pied. L'administration a annoncé récemment une possibilité que pour prendre en considération les immigrants qui bloquent au Mexique. Les immigrants qui débloquent au Mexique après les États-Unis ont été faits dans 42 ans. Oui. Donc, mon sœur va regarder pour est-ce considère son état fait pour eux. Il y a un nouveau ministre des Affaires étrangères Mexique là, qui lui-même dit tout son question que le président mexicain et López Obrador dit demander au plus haut travail avec les Nations Unies, l'autre agence des Nations Unies, surtout l'organisation pour réfugiés, tout ça, pour eux. Dans quelle mesure capable de mettre en application ce programme ça et dans quelle mesure capable d'aider les immigrants qui bloquent l'autre bois. Donc, même quand regarder nous. Ma patience, tout simplement, alors c'est ça que Guerlain te dit. Oui, Guerlain te dit. Et demander mon pour prendre patience, c'est pas qu'il n'y a pas un seul coup de temps. C'est pas qu'il n'y a pas un coup de vite, mais. Et pas seulement. Et mon en pile, tout. En pile. Mon en pile. En pile, mon. C'est 8 points d'entrée gagnées, toutes points au plein. Toutes points au plein, à mon qui était. Tout le monde peut faire été souligné sur le port d'entrée. Oui. Il était dans la zone port d'entrée et il n'a pas été en dedans ville. Surtout, zone Texas, difficile, en pile pour les gars.
Okay. Dans le Texas, il y a plus de 5 frontières Texas. C'est Reno Star, Matamoros, Nouveau Laredo, il y a près de 5 frontières dans la zone. Les immigrants ont un petit problème, les traverser. Parce qu'on est Gregabot. Elle passe au Texas, il y a 5 lignes. Gregabot a un petit problème, les traverser. Il y a un petit problème pour les immigrants. Si, si tout ça, il choisi pour peut-être y aller. Okay. Il y a très très difficile pour les immigrants. Il y a de l'eau, qu'on à la veille. Il y a des difficultés à traverser. Quand on a bébé, quand on a pile l'autre bagaille. Oui, parce que le gouverneur était déjà ça récemment, mais ton bail est flottant. Dans Rio Grande. Oui, 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 oui. Donc, ça qui est un problème, que le gouvernement fédéral n'a pas d'accord. Non, non, non. Le gouverneur est allé dans le tribunal, mais on a un tribunal n'a pas le bon titre pour prononcer pour demander de lever les. Oui, oui, oui. Parce que la question immigration, je dis une question fédérale liée, c'est une question au niveau État. Oui, oui, oui. Mais tout État républicain est censé dénoncer l'administration, je dis qui. Façon que les ouvriers fonciers n'ont pas d'accord avec les tout, il faut certainement qu'on passe dans les mains, donc il y a babé pour ça. Voilà. Bon, c'est difficile en pile. Malgré tout effort que le gouvernement a fait, mais il y a une crise migratoire pour que les gens puissent résoudre. Okay, il y a depuis environ 2 ans, là, une crise la raide, malgré tout effort que l'administration a fait, vous sentez, monsieur, toujours dans les capacités de résoudre la crise là. Même parce que le gouvernement travaille en pile pour c'est le cas de résoudre la crise là, parce que qui bloque le Mexique pour avoir une chance pour venir. Il y a mon Haïti qui a venu, ça veut dire qu'il y a un programme qui met sous pied. Donc, on a besoin de patience. Patience. On a ici, on a besoin de patience. Voilà. Yeah. Voilà, Mackenzie, alors, au Washington, qui est où déposer ma lettre, comme dit mon Dieu. Bon, je dépose ma lettre du côté de Californie. Il y a San Diego, Californie, Los Angeles, Californie. Je dépose ma lettre là. Je vais toujours informer le peuple là. Ok, d'accord. Donc, Mackenzie, vous avez déposé ma lettre dans Californie. Oui, c'est important. Oui, on est revenu dans la capitale fédérale américaine à Washington DC. D'ailleurs, là, c'est un gros building, côté au point, gros décision. Oui, c'est congrès. Oui, c'est et côté au point, gros décision. Gros décision là. Vous ne pouvez pas quitter Washington, non, sans pas visiter congrès. Oui, je vais visiter le talent là. On a des gens qui avec là. Je vais même visiter. D'accord. Il faut que vous nous mettiez sous sport parce que il y a UEFA. Oui, allez, allez, allez. Parce que vous ne pensez pas. Dis-nous un peu dans ce cas. Il y a UEFA là qui est nominé pour meilleur joueur UEFA pour l'année et meilleur entraîneur UEFA de l'année. Trois joueurs. Il y a une étude liste. Trois, il était 10 et il y a 4e, 5e jusqu'à 10e. 4e dans Gundogan qui a joué dans City qui est Barcelone. 5e dans Rodri qui est dans Manchester City. 6e dans Kylian Mbappé. 7e dans Luka Modric. 8e c'est Brozovic qui est en 2000 pour la qui était avec en Arabie Saoudite. Alors, 23 finalistes. Et puis 9e c'est. 9e c'est Declan Rice qui était dans West Ham et Arsenal. 10e dans lui-même qui c'est. João Félix, je ne connais pas de problème. Mais 3 finalistes c'est Erling Haaland qui est norvégien qui a joué dans l'équipe Manchester City qui font gros saison. 2e c'est Kevin De Bruyne qui s'est joué à Manchester City tout, qui ont une grosse saison tout, font paquet de passes. Et puis étonnamment, Lionel Messi qui est dans le top 3, un peu qui dit Messi pas. La police nationale prend gros disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons coquin chien mariage, population avec la police fait. Ils ont lancé opération Bois Calé Wash Maman. Gaye kaka bandi. Gaye kaka bandi. Wesh maman. Gaye kaka bandi. Wakale. Wakale, wakale, wakale. Kounya se bandi kan pa mwa. Wakale, wakale, wakale.
chaje pour nous foutre marcher pran yo. Si mes manchettes manchettes sous yo. L'ité lè, l'ité temps pour révolution la guerre. Kagan bakale, wach maman.